Ouais, même là, il m'a fait mal. Ça fait mal. Peut-être la repousse, toi c'est un peu mal. Oui, moi c'est comme ça, la première fille. Mais là, il y a plus qu'il y a deux, il y a eu dans la rivière, à un moment. Il y a eu pour l'année ici. Ça, il y a eu pour l'année après, pour l'année ici. Eh Jack, vous êtes instantané. Oui. Toto. Comment tu es bien, maman? C'est reparti pour cette deuxième mi-temps entre l'association sportive Vita Club et l'association sportive Magnemogno de Kindu. 0 pour l'équipe locale et 1 pour l'équipe visiteuse, but marqué par Fabrice Ngaba. On espère dans cette deuxième mi-temps, Vita Club va tenter d'obtenir l'égalisation, pourquoi pas, de marquer le deuxième but. Et ça ne sera pas facile face à cette formation de Vita Club. Plutôt face à cette formation de Magnemogno qui veut à tout prix garder cet avantage au marquoir. Et vous suivez cette explication en exclusivité sur CTV, la chaîne partenaire de la Ligue nationale de football, chapeautée par le président Dayoni Wawa. Oui, comme vous l'avez dit là, l'exclusivité de ce championnat national est sur votre chaîne CTV et en application CTV Sport. Vous aussi suivez sur votre mobile. Un match, ce championnat produit par Chris Production grâce à l'Alina Foot et sponsorisé par Vodacom. La descente des unionistes, le centre complètement raté, sorti de but et le portier Bridel, plutôt Lando Mavanga qui relance la partie. Comme on disait, sponsorisé par Vodacom, ce qui donne d'ailleurs le nom à ce championnat, Vodacom Ligue 1. Ce championnat sponsorisé par Vodacom, cette ligue dirigée par José Daouni Wawa. Glody Lepo Maccabi, la mauvaise passe des GLM, Glody Lepo Maccabi, Biaye qui récupère. Biaye, la faute sur Biaye. C'est la faute des Kikasa Wamba sur Biaye. Ouais, je pense que cette seconde partie sera très très disputée. Hein. Il y aura vraiment de l'énergie, faute physique. À la SVK, il faut vraiment beaucoup de physique aux deux équipes. Après cette récupération de la mi-temps. Et voilà. Loin devant. Les ballons bien réceptionnés. Ebunga Simbi. Qui combine avec Mayamba. Masasio Benza. Pungdongo. Ndongo pour Pascal Mbaga. Mbaga qui relance Kikasa Wamba. Kikasa qui donne la balle
à Serbie Alongo qui remet à Kikasa. Ça circule bien pour les Moscovites avec ce ballon de Massassi Obenza. La faute sur Massassi Obenza. Une faute bien vue par Martin Moukala, l'arbitre central de cette partie. Nous allons revoir cette action. Réceptionné par Massassi et la faute indiscutable. Pascal Mbaga loin devant qui a voulu trouver Ibunga Simbi. Ce dégagement raté de Bouela, le centre de Massassi. La tête unioniste. Les ballons récupérés par l'équipe de Maniema Union. Wangombabou. Wango loin devant, ce ballon de Wango en destination du Manaloté. Le dégagement de Landou Mavanga. La belle réception de Jacques Mangoba. Jacques Mangoba pour Pascal Mbaga. Mbaga pour l'avant-centre Obed Mayamba. C'est bien sûr qu'il est. Kikasa, pourquoi pas de trouver Claudie Lilepo. Kikasa qui a freiné ce ballon. Kikasa. Il est bien bloqué par la défense unioniste. La Ibunga, il va s'appuyer sur Massassi Obenza, ouais. Avec Mbaga, Serbie Alongo à toute vitesse. Serbie récupère ce ballon. Serbie, il va tenter de trouver son coéquipier Mangoba, le centre de Mangoba, directement dans les gants de Bouité Lefongué. Un centre mal exécuté. Et là, nous avons la relance. Le goalkeeper est Fongué qui jusqu'à n'est pas encore inquiété. Le dégagement de Bridel, la déviation de la tête de l'avant-centre est Moutoualé. Se touche à suivre pour l'équipe de Maniema Union. Et voilà qui va exécuter la touche. Et voilà. Ibunga Simbi, la faute sur Ibunga, c'est plutôt une faute demain. Il est signalé par l'arbitre du match, Massassi Obenza, pour Kikasa Wamba. Merveille Kikasa. Il combine avec Pascal Mbaga, Ndongo Mbaga. Serbie Alongo, Serbie qui va tenter de percer. Serbie, la faute sur Serbie Alongo et les coups francs à suivre pour l'équipe des Vita Club. Vita Club qui appuie jusque là dans cette seconde partie. Et nous allons y voir sur cette action. Une faute visible pour l'ASV Club qui cherche vraiment à égaliser. Dans cette rencontre que nous rappelons et suivi en exclusivité sur CTV partout, c'est grâce à Chris Production et CTV en collaboration avec la Lina Foot, le ministère de médias et communications chapeauté par Patrick Mouyaya. Et nous vous rappelons que ce championnat national qui a vu aussi le soutien du chef de l'État, surtout pour le déplacement des équipes, ce problème-là des avions, des déplacements et des transports, il n'y en a plus. Et là, une nouvelle pelouse, merveilleuse, très belle pelouse grâce aussi à... aux efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Un amoureux du sport. Comme on l'a toujours dit à un ancien gardien. Ah, attention, Baba, Baba. On va suivre ce coup de pied arrêté de Vita Club. Avec Amédée Massassi. Massassi Amédée. Il combine avec Marga pour Ndongo. Ndongo Mafwana. Ndongo. Ndongo. Ibunga Simbi, le capitaine, qui met le ballon à Ndongo Foué. Loin devant pour tenter de trouver Lilepo Maccabi, position litigieuse signalée de l'autre côté.
La bouille d'éléphant qui va donc relancer la partie. Là, on y voit cette relance d'Endongo Foué qui a voulu trouver Jelem Glodil. Il est pour Maccabi. L'ailier Moscovite. La tête d'Ndjunguma Fola, la faute dans les airs de l'avant-centre de Mané Magnon. Moutoulé Junior sur Ndjunguma Fola. Il s'accompagne bien avec ce ballon de Kikasa pour Serbia Longo. La bonne défense de Junior Mouta. Junior Mouta, il faut rappeler un ancien de la Renaissance du Congo hein, qui évolue actuellement du côté de Maniema. Ancien également de Saint-Éloi Lupopo. Oui. Qui a bien protégé ce ballon pour empêcher l'ailier Serbia Longo. Également ancien du football club Renaissance du Congo. Qui avait perdu récemment lors de la troisième journée contre la formation de l'association sportive Simba de Kolwezi sur la note d'un contre deux au centre technique Kouarampova. Ndongo loin devant la déviation d'Obed Mayamba et la touche. Mal contrôlé, mal ajusté, mal donné la passe à son coéquipier. Là déjà ce le changement du côté de la Civic Club. Il y a les changements à la sortie des Serbia Longo. Et l'entrée de Kabwe Wabatu. Eric Kabwe qui prend la place des Serbia Longo. Ndongo avec Pascal Mbarga. Pascal Mbarga qui va tenter de trouver son coéquipier loin devant. Le dégagement de Simete Ordi. Junior Mouta va tenter d'aller sauver ce ballon. La faute signalée par l'assistant de Ah merveille, il faut rappeler que l'équipe de la Civic Club cherche vraiment à donner le meilleur de lui-même pour revenir sur cette rencontre parce qu'elle est menée 1-0 depuis la première période à la 40e minute grâce à Ngaba. Landouma Vanga avec Ndongo. Ndongo pour Ibunga Simbi qui remet le ballon à Ndongo. La relance d'Ndongo loin devant la tête des Kaya Beton. Bien récupéré à la défense. Wango qui fait un très grand travail hein, cet après-midi au milieu de terrain. Un ancien de la Civic Club. Il est là, Wango. Les ballons de l'autre côté. C'est Mangoba intelligemment pour bien protéger ce ballon. Mangoba Jacques. Mangoba qui a voulu trouver Eric Kabwe. Les ballons récupérés par le joueur de Maniema Union. Pas pour longtemps. Attention la faute. La faute de Merveille Kikasa sur Imana Lotte. C'est très disputé hein, Merveille au milieu de terrain. Entre Kader, Merveille, allez. Wango du côté de Maniema Union. Allez, position, allez, calme. Et là, c'est une faute. C'est très vite joué. Junior Moutoualé qui a surchargé le défenseur de Vita Club, Ndjunguma Fola, qui casse ça, qui traîne trop avec le ballon. Le supporter des V Club. Ah ben, il ne peut pas avancer, il doit chercher et qui donner. Des côtés ou bien au milieu. Il n'y avait pas de coéquipier. Attention. Ndongo avec Ebunga Simbi. Et Simbi avec Pascal Mbarga, Amédée Massassi. En mot triangle, c'est bien fait de la part de Moscovite. Maintenant, il faut se projeter de l'avant.
Exactement, il faut se projeter de l'avant pour tenter de tromper le portier puis d'aller fonger. Là, on trouve que Ayamaïno essaie vraiment de bien se positionner pour empêcher l'SV Club de faire le jeu, de combiner, d'entrer à la surface de réparation. Là, vous voyez, le club joue en arrière, merveille. Ah oui, parce qu'il y a un bloc à côté maniement. Avec le obligé de jouer dans son camp pour tenter de démonter. Après quelques séances, quelques bonnes séances de jeu, Massassi au Benja de l'autre côté, la tête. Le ballon récupéré par Kaboué qui va frapper. Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ce ballon, Kaboué? Vraiment, il a joué à la précipitation. Il a récupéré un très beau ballon dans la surface. Il voulait se calmer, côté, se positionner et tirer. Dommage, l'extérieur du pied n'était pas cadré. Là, vous allez voir ce centre de Massassi de la gauche. Il a bien chippé les ballons, mais il n'a pas pu. La précipitation. Bien gamberger pour tromper le portier pour les fonger. Il y avait deux possibilités. On signale la sortie. Soit de jouer au premier poteau ou bien de donner à Obed Mayamba. Dommage. C'est la remise en jeu. Il y a un changement, il faut signaler la sortie de Liquela. Et l'entrée de Chitema et Rodrigue. Il y a aussi Fabrice Ngaba qui vient de céder sa place. Là, nous sentons le capitaine Ebunga se battre pour chercher cette égalisation qui est encore loin hein, jusque-là. Merveille. Ah oui, les ballons pour les Moscovites des Vita Club. Ebunga Simbi, Merveille qui casse sa Wamba. Avec Amédé Massassi qui écarte pour Ndongo Foué, Mbarga Pascal. Ça combine bien pour les Moscovites. Les ballons récupérés par le joueur de Manier Magnon. Mouta qui combine très bien. Assez bien fait. Le nouvel entrant la faute. Un jeu Wango. Oui, la Ruit a très bien vu. Nous rêvons encore cette action. C'est une très belle action. Dommage, il a joué à la précipitation. Alors que Obed de Mayamba a été bien placé. Ndongo. Ndongo. Avec Massassi pour Merveille qui casse à loin devant. Il va tenter de trouver l'Ilepo. La faute. Signalé par l'assistant de la faute de Goli Lilepo Maccabi sur le joueur de l'AS Manio Mignon. Oui, l'assistant de a très bien vu cette action, Chibouaboua. Voilà. La faute sur le tirage de maillot. Il y a un tirage cœur de maillot de Goli Lilepo Maccabi. Carton jaune a brûlé les fongués. L'arbitre estime que le portier de Maniema essaye de dénoter quelques secondes. Là, vous voyez sur ce plan l'arbitre Moukala Martin avertir le gardien fongué. Et là, c'est Manya Magnon qui va dégager et lancer le jeu. Rodrigue Chitemaï, loin devant. La déviation de la tête. Sans danger, Landou Mavanga. Avec Nzungu Mafuala, Pascal Mbarga. Pour Amédé Massassi au Benja. Massassi qui combine avec Ndongo Mbarga. Mbaga qui joue avec Jelem Glody, Lilepo Maccabi.
Ndongo. Le devant sur le ballon, la tête de Kaimbe tourne. Yana. Alors. Le dégagement de Ton Kaimbe. Kaimbe, on joue dans la moitié. Un mauvais dégagement, manque d'inspiration jusque-là. Par rapport à cette seconde partie. Pour ce qui est de manière maïgnon. Allez. C'est bien s'y mettre. Nous profitons de cette occasion et saluons aussi de nombreux téléspectateurs qui suivent cette TV de partout. Gianni Katembo, qui est scotché sur le petit écran pour suivre cette belle affiche. Et c'est de partout que vous me suivez sur cette TV grâce à Chris Production. Le producteur exclusif de ce championnat. Kaimbe. Kebouina qui va trouver son coéquipier loin devant. Il va tenter d'accélérer dans la surface. Le bon et tout des Ndongo. Belle intervention. Très belle intervention. Sinon, ça allait être un grand danger. Comme le regrette le coach Loussa Dissou. Coach adjoint de cette équipe de Manié Maignan, une équipe créée en 2005, coachée par Daouda Loupé, mais qui est actuellement au niveau de Tananarivo à Madagascar avec l'équipe nationale parce que c'est le coach adjoint. Le corner joué avec Kebouila, le dégagement de la tête de Kikasa Wamba, la récupération des unionistes, la passe assez bien fait. C'est bien décalé, attention, le centre de Rodrigue Kemaï, la tête de Mango Bajak. Les ballons toujours pour les unionistes de Maniema. Attention avec le nouvel entrant, il va tenter de percer la frappe interceptée par le joueur de Vita Club. Et voilà. Ouais, ça combine bien du côté Maniema. Ça combine bien avec cette action. Il est passé la faute. La faute signalée de Bouela, Jure Bunga Simbi. Ah là, l'assistant 1, l'assistante numéro 1, Kanjinga. Là on y voit la combinaison. Non, c'était un ballon dévié de la main. Je pense qu'avec... La belle combinaison de Moscovite au Bézma Yama dans la surface de frappe. Intercepté par Ourdi Simété. Ah oui, c'était une très belle combinaison. Le corner à suivre pour l'équipe de Vita Club. Une très belle combinaison. Une belle passe à Obed. Dommage. L'Ilepo pour contrer de justesse. Ah oui, l'Ilepo pour exécuter ce coup de pied arrêté de coin. L'occasion pour Vita Club d'égaliser le dégagement de la tête de KMB, la frappe enchaînée hors du cadre de Brité les Fongués. Là, il a joué à la précipitation, il pouvait combiner, avoir une autre inspiration par rapport à cette action. Dommage au Bridel, avec sa gauche dévissée, avec cette frappe au-dessus de la traversale. Pas de danger pour le gardien Efongé. Ah oui, cette frappe des Kaboués au-dessus de la barre transversale qui n'a pas pu enquêter le portier Bouité les Fongués. La faute de Ndongo sur Moutoualé Junior. Moutoualé Junior qui va essayer de relancer dans. Les ballons pour les unionistes. Wango Mbabu. Wango qui contrôle le ballon. Wango. Marga va tenter de récupérer ce ballon. La faute d'Amédé Massassi sur Wango Mbabu. Ah oui, vraiment ça chauffe déjà parce que l'équipe de Maniema Union ne lâche pas. Une très belle rencontre pour Wango cet après-midi. Merveille. Omniprésent Wango Mbabu. Double buteur contre l'équipe de la JSK. Le dégagement de Mangoba. La bataille aérienne.
Le ballon pour le Moscovite avec Jacques Mangoba, Pascal Mbaga, la belle réception de la poitrine. La mauvaise passe d'Mbaga, le ballon récupéré avec Rodrigue Tchitemaï. Il va tenter d'accélérer Tchitemaï, Rodrigue. Pas de faute, estime l'arbitre. Et pour Massimbi qui récupère le ballon. Et c'est déséquilibré, celle. Pour Kikasa Wamba. Kikasa, loin devant. La remise. Et l'équipe de Maniema qui va tenter de récupérer l'intervention autoritaire de Mangoba. Ah, là, nous sentons le milieu de terrain. Unioniste dominé. Les dauphins noirs de la capitale. Sur le milieu de terrain avec un Wango très présent cet après-midi, merveille. Et nous attendons la maîtrise de la défense de Manier Magnan. Ainsi metté pour KMB Elton. KMB avec Wango Mbabo. Ça sort qu'il vient pour les unionistes de Maniema. Et voilà. Moutoile Junior, Rodrigue Tchitemaï qui relance Moutoile. Oh là là, l'incompréhension. La passe n'est pas précise. Mbaga Pascal pour le compte de Vita Club avec Kikasa Wamba. Kikasa ceinturé par Mbieye et Kikasa qui et là, demande le carton pour Mbieye. Mais l'arbitre. Là, Martin. Ah oui, c'est fait. L'arbitre va. Martin Moukala devrait quand même faire respecter cette loi. C'était une faute visible. Et là, l'arbitre central, Martin Moukala, qui jusque-là fait une très belle rencontre. On y voit l'une des meilleures occasions au vieux clubien dans cette deuxième mi-temps. Une très belle intervention, une très belle intervention. Ah oui, de la belle intervention de Simeti Ordi qui n'a pas tremblé pour se jeter sur ce ballon de Mayamba Obed. Et Moscovite qui combine, qui casse en bas, mais Demassassi, le ballon de l'autre côté, pas de faute de main dans la surface. Attention, Mayamba Obed! L'égalisation de Moscovite par Obed Mayamba, un but partout! Boum! Oui, un but partout. But d'Obed Mayamba. Sur cette action, il y a eu cafouillage. Il y a eu vraiment cafouillage sur le petit carré. Et Obed a profité de cette action pour marquer de la gauche cette frappe qui a battu le gardien Fongé. Merveille Wello, ça se relance. Nous sentons de l'électricité dans l'air dans cette rencontre. Et le minute restante. Là, on y voit, on y voit. Là, oui. Et ballon qui traîne. Oui, ça traînait, hein, ça traînait. Parfaitement quoi faire avec Obed Mayamba qui permet au Moscovite de revenir dans cette explication. Un but partout des Pâtières. Oui, un but partout. Le ballon est venu, Mamede Massassi qui a essayé de donner le côté. Mais le ballon a traîné, a traîné. Et là, l'égalisation vient, comme vous avez suivi, sur l'autre angle. Avec une frappe sèche d'Obed Mayamba. Les unionistes, attention avec cette descente des unionistes dans le camp de Moscovite. Bien protégé par le capitaine de Bungasimbi. Et la partie sans flamme de Pâtières. Oui, la partie flamme. Sans flamme. À sa flamme ici au stade de Martyr de la Pentecôte. Un but partout, Vita Club en Yomagnon de Kintou. L'égalisation de Vita Club est signée Obed Mayamba. À lui qui assure après le départ des fistons Maïlé Kalala. Oui, après le départ des fistons Maïlé Kalala au niveau de Yanga Boys Africa, là où le jeune Kalala Maïlé évolue actuellement avec le Juma Shabani au niveau de la Tanzanie. Qui casse pour Glodiline Bonchelem. Glodiline Bonchelem, je vois le centre intercepté par le défenseur de Maniema. Wango Mbabu à la récupération, il s'est fait chipper le ballon. Attention avec l'herbe qui tente de récupérer sur toutes les couches dans cette explication. Et Bungasimbi qui combine avec Massassi Obeta. Il est passé, Massassi, qu'est-ce qu'il va faire? Il est le deuxième joueur, la combinaison de Massassi interceptée et d'avancer le feu de l'autre côté. Non, là, l'assistant de Chibouaboua, Chibouaboua avait déjà signalé une position litigieuse, comme nous allons suivre cette action, avec Amédée Massassi de la gauche qui a combiné, effacé
Et là, cette frappe, mais merveille, apparemment, il n'y a pas hors-jeu sur cette action. Ah oui, l'arbitre, l'assistant 2 a décidé. Sur la position litigieuse imaginaire, je crois que c'était une faute de main de la part du joueur de Vita Club. Attention, encore une descente dangereuse. Et Bourassim est dans la surface. Le ballon est écarté, pas pour longtemps. Eric Caboué qui se bat. Eric Caboué pour Godini Lepo. Lepo dans la surface des unionistes. Le centre retrait. Le deuxième but de Vita Club. Le deuxième but de la Svetlana. Et le Vita Club qui revoit l'avantage. Par la Tennis de nouvel entrant. Eric Caboué. Oui, Eric Caboué a fait cette différence. Il est vraiment dans la rencontre, Eric Caboué. Et nous sentons de l'électricité dans cette rencontre avec ce deuxième but, avec le coaching PA de Dominique, avec ce nouvel entrant de Caboué. Une très belle combinaison à la défense et Fongé de nouveau battu. Ah oui, Eric Caboué. Le joueur favori de Dienzola Mukishi qui vient de marquer le deuxième but pour Vita Club cet après-midi. Oh là là. Oui, nous avons suivi cette action avec Caboué qui a décalé de côté avec sa gauche, avec Lilepo Makabi qui a essayé de faire ses centre-tirs et l'axe central de Manié Maignan. Ah oui, ce but, rien faire. Ça vient du lot de Patière, la joie d'EPC Lembao avec toutes les bases. Ah oui. Il regagne quand même Ajax 4 lettres. Sur cette action. Les Africains sont heureux en ce net moment. Le deuxième but de Moscovite. 2 pour Vita, 1 pour Manié Maignan de Kindou. Ça chauffe. Une très belle affiche, merveille. Ici au stade de 2 Martyrs de la Pentecôte. Très suivi en CTV de partout actuellement, surtout au golf avec le général colonel Bolikango qui est scotché, un vécu bien, colonel Bolikango qui est très content pour cette égalisation et l'alourdissement du score de l'AS V-Club. Cette formation galvanise avec cette décision du TAS, comme avait confirmé la présidente Bestin Kazadi. V-Club veut bien fêter cette décision, pourquoi pas avec une victoire cet après-midi de Pacheur. Oui, merveilleux, hello. Une très belle affiche là, c'est un coup de pied de coin en faveur de Manié Maignan. À travers cette action, nous allons suivre. Le corner, attention avec ce ballon des unionistes. Chitemaï qui va dévier la tête. KMB pour Wangon Babou. La frappe de Wangon, bien captée par le portier. Oui, la frappe. Mavanga. Et Wangon, mais qui n'a pas trouvé le sud devant le gardien Landou. Restez aveuglé sur Sitang. Attention avec cette combinaison, le dégagement des Ndongo pour empêcher les unionistes. Vraiment une très belle affiche, hein, très suivie ici à Kinshasa et partout dans la République grâce à Chris Production et CTV. Et là, c'est du spectacle que nous vivons cet après-midi. Quel match. Les unionistes n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Attention à la récupération de Moscovite. Pourquoi pas une contre-attaque. Kikasa Wamba qui contrôle à 2 reprises. Bien repris par Steve Ebuila. Les changements qui se préparent. Côté Manié Maignan de Kindou. Attention avec ce ballon. Chitemaï va tenter de percer la récupération de Moscovite avec Ebourassimbi. Il va tenter de trouver Glody Lepo Makabi. Je l'aime. Glody Lepo Makabi, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue avec Kikasa Wamba. Kikasa qui temporise pour Mbaga. Ebourassimbi en défense avec Ndongo Foué qui relance à son tour. Djongo Mafona, l'ancien joueur du football club Renaissance du Congo. Les dégagements de Landou Mavanga. La faute. Ah oui, c'est visible cette faute de 6 mètres sur l'avant-centre. Obed Mayamba. Oui, Obed Mayamba. Une faute sur lui. Et puis il y a déjà les changements du côté de Manié Maignan. Il y a l'entrée
le numéro 9 de Manier Maignan, Rodrigue Kitoa. Ah oui, l'ancien joueur de la Simba des Colwesi, Rodrigue Kitoa. L'ancien kamikaze. Pourquoi pas de permettre à son équipe de revenir dans cette explication. On s'achemine vers le dernier virage de ce match. Oui, Marvin Wello, vers le dernier virage. Nous avons déjà la 78e minute de jeu. 2-1 en faveur de l'association sportive Vec Club ici au Stade de Martyr. Les deux buts de l'AS Vec Club ont été marqués à la 70e et la 74e minute par Obed Mayamba et Eric Kabwe. Simedi. Il combine avec le nouvel entrant. Eric Léman. La tête. Les Moscovites qui tentent. Et les ballons avec le maestro de la défense des Maniema. On dit Simeté. Eric Léman pour Biayer. Le Neva. Attention avec ce ballon dans la. La bonne défense de Ntungo Mafwana pour écarter les dangers. Amédé Massassi, Veklab qui tente de galvaniser avec cette descente dangereuse. Oh là là, la passe est interceptée par Simeté Ordi. Belle interception parce que cette action pourrait créer encore le danger. Pourquoi pas l'action du troisième but pour l'AS Veklab qui mène 2-1 déjà. Une partie très disputée ici hein, au Stade de Martyr. Manier Maignan qui menait déjà en première mi-temps. De cette rencontre, c'était grâce à Ngaba à la 40e minute. Et là, la remontada à la Veclubien. Rien est encore officiel jusqu'à là. Bah il y a encore quelques minutes à grignoter. Là, nous allons suivre ces deux. C'est l'action du deuxième but, la passe de Glody Lilepo Maccabi. Qu'est-ce que c'est bien combiné pour téléphoner. Et les Jolibi, Eric Kabwe. Sur différents angles que vous suivez là, CTV, la chaîne, il y a l'exclusivité de ce championnat national, cette Vodacom Ligue 1. Nous vous le rappelons, ça, le match se joue en huis clos jusque là. C'est la décision de la Lina Foot, des matchs de Kinshasa se joue jusque là en huis clos. Le temps que le stade de Martyr puisse être réfectionné entièrement. Et là, nous utilisons la période du stade de Martyr parce qu'elle a déjà eu une peau neuve. Et là, nous assistons à un très beau football, hein, merveille, cet après-midi entre Manier Maignan, qui est reçu par l'association sportive Vec Club, Moutoumou Kouabou, entre Madine Zombo les soirs, mais ce n'est pas encore le temps. Ah oui, une explication électrique entre deux clubs cousins. En plein tiraillement familial, en zénith moment, mené juste avant la pause, le club vient de marquer deux buts dans cette deuxième mi-temps. On espère que cette formation va tenter de conserver cet avantage. Les ballons pour Rodrigue Kitoa, l'ancien kamikaze des Simba de Kolwezi. Il combine avec Wango Mbabu, le capitaine de cet après-midi, Wango. Wango, il va tenter de percer, Wango. Wango, il se jette. La faute signalée par l'assistante. Kajinga. Et là, on échange avec le capitaine Ebunga, qui conteste. Il a déjà contesté cette faute, mais si on va sur cette action, il y a quand même eu pour 7 sur Wango sur cette action. Voilà. Il s'est jeté, hein. Il s'est jeté Wango Mbabu. Mais le coup franc accordé pour l'équipe de Maniema. Un coup franc. Et voilà qui va exécuter. Un coup franc à suivre dans ce dernier minute de la rencontre. Où nous jouons déjà. On s'achemine vers la fin. 23e minute. Et voilà en retrait. Le dégagement de la défense de Vita Club. KMB. Et ton KMB, l'ancien de Bellor. Le bon geste de KMB. Qui va tenter de relancer
Mais le ballon est intercepté par Kikasa. Il combine avec Masashi Obenza. Brillé pour Kikasa. Est-ce que Simeti va? Non, le ballon pour Kikasa. Kikasa, il contrôle. Kikasa, voilà. Il a cherché cette faute. Il a cherché, il a trouvé. Il a cherché. Et il obtient cette faute. Il avait dit Kassa, autrement dit Kader. Nous allons y voir. Après avoir récupéré les ballons, contrôlé le jeu. C'est ça la faute. Sur Merveille di Kassa. Il se tord de douleur. Ah oui, Kikasa Wamba. Obligé de quitter momentanément l'aire de jeu. Pour permettre à ce que la partie puisse se poursuivre. Alors on revoit l'action du deuxième but. Oui, l'action. Un très très bon grand travail de Gaudi Lilepo. Qui a trompé le portier Bridel. Voilà. Il s'est couché de l'autre côté. Et le ballon qui passe. Elle est tabouée. Alors, il y a quelqu'un supporter de l'inspiration sur cette action. Il s'est très bien positionné. Et a ajusté le ballon au fond du filet. Et Fongé est battu pour la seconde fois dans cette explication entre l'association sportive et le club et Maniema Union. Les ballons dans les gants de Bridel et Fongé, l'ancien gardien de la jeunesse sportive de Kinshasa, l'ancien des Shark Club, l'ancien d'Arc-en-Ciel, l'ancien des Mbandaka Sport et actuellement le portier titulaire de l'association sportive Maniema Union de Kindu. Ordi Simeté, loin devant, Simeté Ordi. Et le coach principal, Dominique Sionsi, de Vita Club, trop inquiet. Oui, le coach qui réclame, hein, parce que sur cette action, que nous allons revoir, il y a eu... Là, on y voit... Voilà, il y a une faute. Une mauvaise intervention. Qui a fauché. Ça peut faire mal à Mayamba. Ça peut faire mal. Là, Obed se tord de douleur. Hein. Je pense que l'arbitre central, Moukala, a vu cette action pour... siffler, pourquoi pas sanctionner, hein. Nous allons revoir. Les défenseurs qui n'attaquent pas méchant. Les ballons. C'est méchant de la part de Simeti Ordi. Il attaque juste la jambe de son adversaire. Et là, le buteur, le premier buteur de la Civic Club sortira de l'heure de jeu pour le plus ample. Ah oui, là, voilà. Les changements côté Moscovite. Oui, dans ces dernières minutes de jeu. À la sortie d'Obed Mayamba. Oui, Obed. Et l'entrée de Témon Pélé Jacques. Allez pas confondre à Jacques Messaille. Témon Pélé qui fait son entrée. Plus que 4 minutes de jeu dans cette rencontre. Et là, les nouvelles entrants, Témon Pélé. Pas de faute sur Témon Pélé, estime donc l'arbitre du match. Wangon Babou, le centre de Wangon. Très belle intervention, très belle. La belle intervention, la bonne sortie de Landou Mavanga pour s'emparer de ce ballon. Le nouvel entrant, Démon Pélé, Jacques, qui se tord de douleur. Nous en vivons encore cette action. En replay, une combinaison. Emmanuel Maignan qui pouvait amener le danger. Mais grâce à Landou Makela, une très belle intervention, une très belle sortie, a récupéré les ballons. Et là, il y a encore un autre joueur de l'SV Club qui doit sortir de l'aire de jeu pour se faire soigner. Plus, plus. Regarde la poche, la glace.
Ah oui, Ntémon Pélé Jacques, obligé de quitter momentanément la partie, puisqu'il vient d'entrer il y a quelques poussières des minutes. Oui, on s'achemine vers la fin de cette explication. Et vers la fin de cette rencontre, il ne reste que quelques minutes. Mbiyeye est loin devant. Attention, Lilepo. Il a bien protégé ce ballon. Ah oui. À son avantage. Claudie Lilepo Maccabi. Jelem en sigle. Et quelques supporters de Vita Club. Soit les dirigeants de Vita Club ici présents au stade des Martyrs. Quelques officiels. Ah oui. Qui déplorent le fameux Nzombo le soir. Pour conclure cette victoire de la plus belle des manières. Mais attention, l'Nzombo peut aussi changer de camp. Ah oui, vraiment, quand on réclame l'Nzombo, ça peut être de deux côtés. C'est bien chippé de la part des KMB, mais non, c'est sorti. La ligne. C'est sorti. Une sortie en faveur et à l'avantage du Las Vegas Club. Et le capitaine Ebunga à la remise. Rodrick Kitoa, c'est entouré par un Ntémon Pélé Jacques. La faute, les coups francs à suivre pour l'équipe de Manio Magnon, que l'ancien de Bellor, Anton Kayembe, va exécuter loin devant. Le dégagement autoritaire et la touche à suivre pour l'équipe. Des Vita Club, attention avec ce ballon, Kayembe. La faute, il y a faute signalée. C'est une faute, mais nous allons revoir ça avec Moussaï, pourquoi pas Claude, Lola. Ce qui étonne derrière à Dominique. Tony, Manana. Ce qui étonne au coach Dominique. Nous allons vivre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Pour que l'arbitre puisse siffler sur cette action. Un carton jaune. Qu'est-ce qu'il y a eu pour que... 3 minutes à récupérer dans ce match des Batières. 3 minutes pour les Moscovites de Vita Club de conserver cet avantage. Pourquoi pas de marquer ce fameux Nzombo le soir. 3 minutes pour l'équipe de Manier Magnon de revenir en égalisant. Pourquoi pas de créer la sensation. Il n'y a eu pas faute. Hein. Il n'y a pas eu faute sur cette action. Il n'y a pas eu faute. Le ralenti le montre très clairement qu'il n'y a pas eu faute. Et là, nous avons réclamé, comme c'est réclamé, c'est de deux côtés, hein, parce que les deux équipes... Wango qui s'énerve, et contre ses anciens coéquipiers. Ah, il doit se calmer, hein, il doit se calmer, il doit se calmer, c'est le fair play qui doit régner. Il veut se battre contre qui? Contre Landou Wanga, le portier angolais. Ah, il doit se calmer, il doit se calmer. Et Massassi, l'un de ses amis qui le calme. Il faut être fair play. Comme le dit My game is fair play, comme le dit la FIFA. Wango doit se calmer et plutôt chercher à donner des passes pour égaliser au lieu de se battre sur l'air de jeu qui. Ce qui n'est pas bien. Et là l'arbitre Moukara. Sanctionne. Carton jaune à Claudine Lilepo Maccabi. Carton jaune également à Ordi Simété. Oui. Et petit à petit, on s'achemine vers le coup de sifflet final de partout où vous nous suivez sur CTV. Grâce à Clips Production, grâce à la Vodacom Ligue 1, grâce à la Lina Foot chapeautée par José Daoni Wawa avec toute son équipe. Maître Emmanuel Kandé, Maître Innocent Kibundulu, toute l'équipe de la Lina Foot. Aussi le grand retour du président Bosco Moué. Bosco Moué, voilà. J'ai bien prononcé Bosco Moué. Landou Mavanga va tenter de gagner aussi hein, quelques minutes. Hein. Ouais. Quelques poussières de minutes. Ce qui n'arrange pas aux unionistes cet après-midi
Au niveau du stade Martyr, nous rappelons que la SV Club mène par 2-1 l'équipe d'Emmanuel Maignan qui a eu à marquer en premier mi-temps à la 40e minute. Le carton. Ah oui. À Guilou-Sabissou, il y a des tessels partout, il y a des cartons qui sont distribués. Il y a les cartons qui sont distribués. Et Guy Loussadissou, mon chevet, qui s'étonne. Alors, les chevaux se poursuivent. Landouma Vanga pour dégager ce ballon. C'est pratiquement les dernières minutes ici au stade des Martyrs. 2 pour Vita Club. 1 pour Manu Maignan de Kintou. Attention avec cette mauvaise remise, Ntémon Pelé Jacques, il va se battre, Ntémon Pelé, pourquoi pas d'accélérer Ntémon Pelé entre deux joueurs de Maniema. Faute signalée. Drapeau s'est levé. La faute de Ntémon Pelé sur c'est le pas joueur. Faute, hein. C'est pas une faute à juger l'assistant de Chibouaboua qui est tout prêt, hein, qui a vu cette action. Il a jugé que c'était une remise en jeu. Ah oui, il a estimé que... Ah oui, la touche. En faveur de Zignoniste de Kindou. Mbieye. Les ballons récupérés par les Moscovites au niveau du milieu de terrain. Et Kayembe. Et Kayembe va tenter. Allez, de l'avant. Allez, les Unionistes. C'est la fin de ce match. Vita Club s'impose sur la note de 2-1. Des Patières, la belle victoire pour bien fêter cette décision du tribunal arbitral de sport. Oui, le tribunal arbitral de sport qui a donné raison à l'SV Club